Eh bien, salut tout le monde, c'est Azarath, on se retrouve pour la suite du playthrough. Donc, on devait rejoindre Novak pour partir sur la trace de ceux qui nous ont agressés. Et d'abord, je vais vous dire, alors j'ai installé quelques mods, des mods supplémentaires. Alors, qu'est-ce que j'ai installé? Attendez, je regarde vite fait. Alors, j'ai installé un mod qui retexture les fringues. Bon, je sais pas si ça se voit vraiment avec ces fringues-là en particulier, mais en tout cas c'est installé. Un mode qui fait de nouveaux effets visuels. Par exemple quand on tire ou... Enfin bref, avec les impacts de balles, etc. Même avec le sang. Donc on verra bien quand je croiserai un ennemi ce que ça donnera quand je lui mettrai une bastos, hein. En parlant d'ennemis. Non, c'est des potes ça. Mais non, c'est des poudriers, ils se battent contre qui? Un scorpion. Et les poudriers m'attaquent pas. Les poudriers m'attaquent pas. Oh merde, je vais encore me retrouver à court de clopes. J'ai pas une tenue de poudrier pourtant. J'ai envie de me les faire. Juste pour vous montrer aussi le avec le mode ce que ça donne les effusions de sang. Ça n'a rien à voir, hein. Ça a rien à voir du tout. Alors, bref, voilà, c'est des petits modes bien sympas que j'ai ajoutés. J'en ajouterai d'autres au fur et à mesure, de toute façon. C'est juste que là, je sais pas trop quoi mettre d'autre pour l'instant. Fusil à vermine, ok. Hop. Par contre... Ouais, par contre, déjà, je me fais attaquer et... Et j'ai l'impression que le son du jeu est un peu fort. Enfin, c'est peut-être moi qui déraille, mais... On va le baisser un peu. Un chouïa, voilà. Moi, en tout cas, il me pète les oreilles. Bon, alors, il y en a un qui m'attaque. Déjà, je vais essayer de me soigner. Alors, objet, aide. Où il est le Steam Pack? Ouais, ça, c'est pour le mode. Oh, de la pierre. Il est où, le mec? Putain, il est là. Il est là. Donc voilà, les effusions de sang sont quand même pas mal. Hein. Moi j'aime bien. Il y a aussi de nouveaux effets avec les armes énergiques que j'ai hâte de voir. Par contre, niveau santé, ça pue. Niveau santé, je le sens pas du tout. On va faire une sauvegarde rapide. Sauvegarde rapide, voilà. Et ce que je voulais faire aussi, c'était commencer à construire la ville. C'est comme je vous l'avais dit, j'ai un mode qui permet de construire sa petite ville, son petit campement tranquillou. Et du coup, je suis en train de me demander si ça, enfin, ça serait pas mal de le faire, de commencer à le faire tranquillement. Mais là, ça, ah, c'est radioactif. Mais là, ça, je me souviens plus trop de la marche à suivre pour construire. Ah, wow. Dès que la radioactivité est à fond, je suis mort. Hein. Je préfère prévenir, c'est... Wow!
What the fuck, c'est quoi de ça? C'est moche! Je suis en train de me poser une question. Putain, c'est tellement laid. Enfin. Je suis en train de me demander si j'ai pas rajouté ça avec un mode aussi. Peut-être pas, je sais pas. Parce que c'est vraiment laid. Hein. Mais ça me donne quoi ça? Rien du tout. Ouais, je sais pas, c'est étrange. Hein. C'est comme bestiole. C'est étrange. Donc c'est on va continuer d'avancer. Vers Novak. C'est des mecs là-bas ou... Qu'est-ce que c'est? Où ça tire? Ah oui, j'ai rajouté un mode qui rajoute des zones de guerre. En gros, il y aura plusieurs endroits dans la carte où ce sera la guerre totale, quoi. C'est gros bordel. Donc voilà. Ok, c'est tout. C'est juste un troupeau de bestioles. Je vais pas trop rester là. Je vais continuer d'avancer. Ouais, donc le mode Warzone qui s'appelle. Alors, j'espère que ça fera pas trop chuter les FPS. Hein, parce que les zones de guerre et tout le bordel, ouais, c'est sympa et tout. Voilà, c'est... Ça tire de partout. Je sais pas d'où ça vient. De venir de là-dedans. Ah, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas ça se bastonne sévère. C'est un campement de la Légion, ça. Ouais! Qui c'est qui a gagné la loterie? C'est moi! Sentez-moi cet air. Ah, dommage qu'on ne puisse pas le boire comme un bon verre de gnôle. Oh là là, c'est quoi de ce psychopathe? Vous êtes débile ou quoi? Je ne me suis jamais senti mieux. Jamais. Un poudrier? Quoi? Oui, je veux dire oui, avant, oui, j'étais un poudrier. Mais c'est fini! Les poudriers, c'est des petits joueurs. Moi, je suis un winner! J'ai gagné à cette saloperie de loterie! Il parle de quoi là? Quelle loterie? Mais la loterie! La seule! L'unique! Combien de neurones vous avez? Il n'y a qu'une seule loterie qui compte! Oh mon Dieu! Sentez-moi cet air! Oh là là, toi, t'as les fils qui se touchent, Au hein? revoir. T'as les fils qui se touchent, toi. Bah, moi j'aime pas ça, hein. Il y a des étendards de la Légion partout. Des coups de feu, on sait même pas d'où ça vient. Ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Je vais aller voir. Il y a des mecs de la Légion, mais... Oh là là, mon Dieu. Cette personne semble être à l'agonie. Elle a décroché de la croix là-dessus. Ok, d'accord. Wow, wow. Mollo, les gars, mollo, mollo. Juste parler. C'est tout. Discuter. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous faire crucifier comme le reste de ces dégénérés. Vous avez bien fait de passer. Quoi? Je tiens à ce que vous soyez témoin du sort de Nipton, que vous en mémorisiez chaque détail. Et ensuite, à votre départ, je veux que vous enseigniez à tous la leçon qu'a donnée ici la Légion de César, en particulier aux soldats de la RNC que vous rencontrerez.
Oh merde. Oh merde. Si je leur dis vos crimes sont impardonnables, je sens que je vais me faire dézinguer. Si je dis je ferai ce que vous me demandez, ça fait la grosse pute soumise. Qu'est-ce que je fais? Donc la Légion, c'est des connards, eux. Hein. Enfin, c'est des connards. Après, chacun son point de vue, mais... Bon, allez, je pose mes couilles sur la table. Comme tous les crimes, si cela vous révolte, attaquez-nous, et vous n'éprouverez plus aucun sentiment de révolte. Ok... Ok. Au revoir. On va voir à l'intérieur ce qui se passe. Hein? Ça sent le... Oh putain. Wow! Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Waouh, 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 il y a des bruits chelous. Hein. Putain, ils sont tous fait massacrer, quoi. Bon, ils ont rien sur eux, ça sert à rien de les fouiller, mais... J'explore quand même. Mais c'est bizarre l'explosion qu'il y a eu, là. Waouh, 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 il y a quelqu'un, là. Putain, des putains de clébards de merde. Oh non! I'm dead. I'm dead. Je me suis fait bouffer. Bouffer, bouffer. Ok, je me tire. Je reste pas là. Bon. C'est tout, on va continuer vers Novak. Mais moi, je continuerai peut-être pas par là. Enfin... Ouais, si, je vais aller par là quand même. Apparemment, on peut sortir... de ce côté-là de la ville. Donc je vais passer par là. Ça craint, hein. Bon, bah, une ville en moins, quoi. Ils ont tout rasé. Ils ont tout rasé, voilà. C'est tout, hein. Welcome to Nevada, ouais. Ouais, bah tant pis. On va continuer tranquillou. J'aurais bien essayé de trouver un plumard là-dedans pour passer la nuit et me régénérer, on va dire. Mais bon. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah, mais je suis con, il y avait des cadavres dans la baraque, j'aurais pu bouffer. Je les aurais tous bouffés, puis voilà, quoi. C'est vrai que j'y pense pas, ça... J'ai pris le trait de caractère cannibale et comme ça je peux tous les bouffer, mais j'y pense pas forcément. Ah. Ouais, nickel, on a 4. Ok, ça c'est vide. Hydra. Qu'est-ce que c'est que ça, Hydra? Je sais pas ce que c'est. Peut-être une arme. Je sais pas. Il y a des méchants. Ouais, il y a des méchants. Wow. Putain, je le savais, j'ai entendu le bip. Le fucking bip, je l'ai entendu. T'as vu. Bip. Terminé. Putain de merde. Putain de merde. Bon. J'en profitais pour bouffer un peu. Ah ben, ça me stresse l'explosion. Allez, dévorer.
Allez, là, au suivant, là. Il y en a un autre, là. Vite! Barre-toi, les chiens arrivent! Fous-moi le camp, allez, dépêche-toi de bouffer! C'est ça qui est chiant, mais trop tard, on se casse. Je suis suffisamment régénéré pour le moment. On va retourner là-bas. Et faire attention aux mines. Aux fucking mines. On va pas se faire avoir deux fois. Ouais. Ouais, donc on va avancer un peu là-bas, puis je verrai si je peux construire mon petit village, histoire de d'avoir un peu plus de moyens pour pouvoir continuer ma quête. Si je peux me faire une place économique dans le jeu, ça peut être pas mal. Ça peut aider. On voit qu'il y a des Brahims, enfin non, c'est pas des Brahims. Les vaches ou je sais pas quoi au-dessus. Alors on reprend les canettes, hein, comme tout à l'heure. Hop, on va reprendre l'hydroque, je sais pas ce que c'est. Ça a pas de poids. Bref, là il y a un mec, là. C'est quoi ça? Bandits armés des Vipers, d'accord. C'est tout simplement des bandits. Tout simplement des bandits. Oh, c'est quoi ça? Il y a 4 mecs là-bas. Bon, la mine. Oh, les fourbes, ils l'ont foutu sous le plot. Hop! D'accord. Oui, il m'attaque au corps à corps comme ça. Je crois qu'on va sortir le pompe, hein. Il y a rien de tel pour... single shotgun ou calibre 12 robuste. Alors dégâts. 5 x 7 dégâts par seconde 40 et le single... Ouais, le single... ouais, il en fait moins. On va prendre... le calibre 12 robuste. Par contre, à mon avis, les plombs sont plus éparpillés. Wow! Et ils me tirent dessus avec quoi, les mecs, là? Non, sérieux? Putain, ils ont des mitraillettes et tout. Non, je suis pas d'accord. Putain, l'enfoiré, toi. Dégage. Ok, donc, quand j'arrive, il y en a un à droite, déjà. Il y en a un à droite, celui-là, je l'oublie pas. Ok. Ok. Celui-là, je l'oublie pas. Toi, mon gars, tu vas en chier. Toi, je te jure, je te vois, je te défonce. Tiens, on va fouiller une maison vite fait, là. Il y a peut-être moyen de trouver des trucs, je sais pas. Paquet de cigarettes, on s'en fout, ça, mais bon. Des plombs. Encore des plombs. Je les prends quand même. Ça, je sais pas ce que c'est. Steak de gecko. Un frigo. Cocktail atomique. Résistance énergétique, résistance feu.
Rats plus 9. Wow, je les prends quand même, ça a l'air pas mal. Graines de... Hein. Pignon. Four. Brochette d'iguane. Allez, hop. Ça fait quoi le truc à plomb là? Dégâts par seconde 4, putain c'est de la merde. Oh le délire. Ouais, enfin bref, ça, je pense que ça peut toujours dépanner une arme comme ça, mais bon. Voilà, quoi, sans plus, hein. Sans plus. Alors, tenue fantassin mercenaire. Non, c'est de la merde. Moi, c'est tout. On va y aller. On va sortir. Ah, attends, je peux peut-être passer la nuit tranquillou, là. Il y a un lit. Je peux dormir ou pas? Dormir. On va dormir 24 heures. Hop. Comme ça, on va se réveiller en pleine forme. Et ce serait nickel. On va pouvoir aller péter la gueule au bandit Viper VM2, là. Qui commence sérieusement à me le briser. Ouais, mon coco. 8, 7. Allez. 3, 2, 1, 0. Ok, ça vous garde en cours. Là, normalement, là, je suis... chaud patate. Et encore des coups de feu. Ça aurait été cool que la Légion, elle passe par là. Elle aurait pété la gueule aux bandits. J'aurais été peinard. Non, par contre, je peux garder le pistolet à plomb. Alors, l'autre, il était sur la colline, il était assez loin. Ouais. Dégâts combien, là? 11, 13. Je vais prendre le magnum. Est-ce que j'ai pas des... J'ai des munitions spéciales, je crois. Balles spéciales. Pointe creuse. Je vais prendre pointe creuse. J'en ai combien à pointe creuse? J'en ai qu'une seule? Non. Ça fait quoi les balles spéciales? Je comprends pas. On va essayer. On va prendre les balles spéciales. Avec le petit revolver. Le mec, tiens, c'est pas... Non, j'ai cru l'avoir vu. C'était pas lui. Ouais, mais ça, les embuscades dans les vallées... Là. Alors, je vais faire sauvegarde rapide, comme ça, j'aurais pas à me... à tout me retaper, là. Ça commence à faire chier, quand même. Alors, il est où le Garen? C'est vrai que niveau arme, il me refaudrait des munitions de... Enfin, des cellules énergétiques. Là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il y en a plusieurs, là. Il y en a deux là. Ouais, deux là-bas. Oh, j'avais que 6% de toucher. Que 6%. Wow, où c'est que tu vas, toi? J'aime pas quand ça contourne comme ça, j'aime pas ça. Tiens. J'ai gagné 20 d'expérience, je sais pas trop pourquoi, mais bon, tant mieux. Ok. Ah, ça c'est des vaches. Je sais pas où est passé le bandit. Putain. Ouf. Wow, on me tire dessus avec quoi? C'est quoi ce délire?
Elle a un lance-grenade, la pute! Putain, elle a un lance-grenade! Putain, mais je comprends mieux! Oh là là! Oh là là! Oh, sa tête, elle a fait plouf! Oh putain! Grenade rifle, je vais le prendre. Hein. Par contre, j'ai pas de grenade, c'est ça qui est chiant. Oh la vache, sa tête, elle a fait... Laisse tomber. Ah. Par contre, ouais, faudrait que je me soigne, là, parce que je suis sûr que je suis infirme de partout. Oh là là, mon dieu, l'horreur. Putain. Qu'est-ce que j'ai qui peut m'aider? Brochette d'iguane, allez. Steak de gecko. Viande de chien. Moi, il me faudrait la trousse de soins. Il me faudrait de la trousse de soins parce que mon bras, là, il fait la gueule, en fait. Mon bras, il fait la gueule. Qu'est-ce que j'ai pour les cibler de là où je suis? C'est pas avec ça que je vais y arriver. 1%, qu'est-ce que tu veux que je foute avec 1%, sans déconner. Et y a l'autre bandit là, il y en avait une autre là dans le coin là. Je sais pas où elle est par contre. C'est ça le truc. Je sais qu'il y en avait une là, mais je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est barrée, ça m'énerve. L'autre, lui, je sais pas ce qu'il a dans les mains, je vais essayer de voir. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Non, pas toi. L'autre. Ah, je peux pas. J'ai envie de savoir ce qu'il a, lui. Lui, là-bas. Bah, apparemment, il a rien. Apparemment, il a rien dans ses mains. Est-ce que j'ai une arme? Est-ce que j'ai une arme précise? Ou alors j'essaie de leur balancer les dynamites à la gueule, mais bon. Allez. Wow. C'est une nouvelle explosion aussi, je crois, avec le mode. Ouais, les explosions, c'est des nouvelles. Il me semblait bien. Il m'a vu. Le mec, il m'a vu. Le mec qui m'a vu, alors. Danger. Ouais, je suis détecté là. Je suis détecté, mais. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Il a pas l'air armé. Il a pas l'air armé. Lui là-bas, peut-être, ouais. Peut-être qu'il a une arme. Mais celui-là, je crois pas. Il essaie de monter là, mais. Mais à mon avis. Oh là là. Alors, est-ce que je peux passer là? Est-ce que je peux passer en mode Yamakasi? Yamakasi. Oh, que c'est qui va? Ah oui! C'est bien. C'est bien, vas-y, il faut lui me branler. Il l'a eu. Grande corne, il l'a eu. Bah ouais, mais va falloir que je le tue si je veux passer. Il a eu peur. Il a pas eu peur. Oh putain. Ça c'est fait. Voilà. Viande de grande corne. Oh nickel. C'est lourd, mais ça fait de la bouffe. Alors lui, capsule, couteau à beurre. Non, il est sérieux. Psycho, dégâts plus 25%. Ah, je vais le prendre, ça. Je vais le prendre. Je vais le prendre, et nous, on va s'arrêter là, je crois. Parce que ça fait déjà une demi-heure. Pour le petit épisode, c'est déjà bon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, etc. Et pour la suite, donc on va tout simplement rejoindre tranquillement Novak.
et essayer de commencer la construction du petit village, etc. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne soirée et une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!